On était la veille du jour de l'an au camp de bûcheron Ross, en haut de la rivière Gatineau, en plein bois, de la neige quasiment à hauteur des bâtiments, quand Baptiste Durand nous a proposé de courir la chasse-galerie. Ça, ça veut dire faire un pacte avec le diable pour pouvoir voler dans un canot d'écorce. Baptiste, à ce qu'il disait, l'avait déjà fait bien des fois. On pourrait voyager jusque chez nous, voir nos familles, embrasser notre bien-aimé, puis revenir au camp avant le lever du jour. Pour tout de suite, restait plus qu'à attendre un signe du diable. Malgré qu'au début, les hommes étaient pas ben gros dans leurs culottes, on pouvait pas résister à la tentation du fabuleux réveillon que Satan nous faisait miroiter. Avec un canot comme ça, on pourrait facilement franchir une bonne centaine de milles en moins d'une heure. Il faudrait jamais toucher une croix pendant le voyage, ni prononcer le nom du bon Dieu. À ces conditions, Satan nous garantissait le retour, sain et sauf, avant l'aube. Pour des hommes habiles à l'aviron comme nous autres, on pourrait facilement se rendre à la Valtrie, réveillonner, puis revenir à temps sans problème. Voyager jusqu'où on voudrait. Suffirait de surveiller nos paroles, puis de regarder où on allait. We'll be right back.
Ça faisait une couple d'heures qu'on dansait sans s'arrêter quand je me suis aperçu que Baptiste commençait à avoir un verre dans le nez. Ça annonçait rien de bon. Il nous restait pas beaucoup plus qu'une heure. Pour rentrer à temps, pour éviter la damnation éternelle, on aurait besoin de se donner corps et âme sur nos avirons. Survécu à la collision. Personne n'avait touché un morceau de la croix. Un vrai miracle. Mais flotte pas Baptiste, debout dans le canot, complètement sous. Dans cet état-là, il peut pas dire deux mots sans sacrer. Il fallait l'empêcher d'ouvrir la bouche avant qu'il nous envoie tous direct en enfer. Quand on s'est réveillé dans nos lits de camp, on nous a dit qu'on avait été trouvé sans connaissance dans un banc de neige, au pied d'un gros sapin. J'étais tellement soulagé d'être encore en vie après notre aventure. Peut-être que le diable nous avait donné une chance parce que c'était la veille du jour de l'an. Baptiste, lui, on l'a plus jamais revu au camp. Apparemment, il serait parti la veille pour aller travailler dans un autre chantier plus bas dans la vallée. Je vais vous donner un bon conseil. Si jamais on essaie un jour de vous embarquer dans une aventure semblable, prenez ma parole, vous êtes encore mieux d'affronter tous les rapides de la rivière Outaouais que de voyager en compagnie du diable.